Oh my gosh! Oh my gosh! 500 subs! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, enfin, je vais pas tous les faire, mais tu vois, 500 abonnés. 500 subs. Subs, c'est pour subscribers. C'est un diminutif. Subs. 500 subs on YouTube. 500. Oh my gosh. 500 subs. Look at this. Look at this. Look at this. So. Oui, voilà, tu vois que je suis super content. Il y en a 500 abonnés, 500, 500. Alors, to subscribe c'est s'abonner. Pour s'abonner à cette chaîne YouTube, bilingue. Mais oui, l'objectif est que tu deviennes bilingue, que tu manies le français, l'anglais comme si c'était naturel. Même si tu pars de zéro, to subscribe c'est s'abonner. S'abonner, il faut que tu t'abonnes. Tu cliques sur le petit bouton comme ça qui est là quelque part. Tu cliques un petit peu plus bas pour t'abonner à cette exceptionnelle chaîne YouTube. Tu vois que je suis tellement... Yes! Je fais beaucoup de bruit parce que j'en ai tout le monde. Toujours est-il, oh my gosh, c'est pour exprimer en fait l'étonnement, interjection. Souvent tu as une petite emoji comme ça. Oh my gosh, c'est exceptionnel. En fait, je suis super content parce que j'ai bossé pour avoir ces 500 premiers abonnés, je les ai. Et surtout, j'espère que je te donne du contenu de valeur pour que tu puisses enfin progresser en anglais. Donc, tu subscribes, c'est bien, s'abonner. Donc fais-le, parce que d'ailleurs j'ai réalisé quelque chose, attends mon stylo, je vais prendre là, hop, et là c'est un scandale. C'est quoi ce numéro là? 60, 60, 3, 3, 63%, 63%, 63% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Abonné à ma chaîne YouTube, tu vois ça, ils l'ont pas fait. Donc clique maintenant pour qu'on passe de 500 à 1000 super vite, c'est une obligation, tu dois le faire. Donc les 63% qui me regardent là, est-ce que vous m'aimez ou pas? Si vous m'aimez pas, il faut s'abonner. Donc subscribe, s'abonner. To register, c'est s'inscrire, donc c'est pas pareil. Moi, je te demande de t'abonner. To register, c'est le fait de s'inscrire à un cours, c'est le fait de s'inscrire à... s'inscrire à quoi que ce soit en fait, tu t'inscris, mais ces deux mots de vocabulaire je vais te donner parce que j'ai trouvé intéressant. Donc, subscribe, to register, c'est s'inscrire. Oh my gosh, exprimer l'étonnement. No way, no way, pas possible. Et ça, c'est excellent à utiliser dans une conversation quand tu parles avec quelqu'un, t'écoutes, tu fais ok, yes, right, indeed, oh, no way. Quand la personne en fait dit un truc de fait, oh, no way, en fait ça marche. J'avais appris ces expressions-là en espagnol quand le jour où j'étais au Costa Rica et je les disais tout simplement. Si, si, ah, cosita, oh, cosita. Et en fait, ça passait, je crois que j'étais parlé couramment espagnol, j'avais 7 mots. No way, no way, 500 subs, wow! Enfin bon, je suis super content de pouvoir t'accompagner encore et encore et toujours pour que tu puisses progresser en anglais. Donc ce que tu vas pouvoir faire, c'est t'abonner si ce n'est pas encore fait, et partager cette vidéo, oui, partage-la, mets un pouce bleu ou like là, tu partages, et puis comme ça, hop, on se retrouve tous aux États-Unis à Londres, pour parler anglais, pump it up, et on fait le floss, ça c'est le floss, tu vois. Parce qu'en fait, c'est le geste du fil pour se nettoyer les dents. Floss, F-L-O-S-S. Ok, well, have a lovely day. 500 subs. Yes!